Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo tuto qui va nous permettre d'apprendre à utiliser la fonction produit. Cette fonction va nous permettre de calculer le produit de deux ou plusieurs valeurs. Du coup, ici, avec les coûts hebdo que j'ai ici et le nombre de semaines, mon objectif c'est d'avoir le coût total qui est le produit du coût hebdo fois le nombre de semaines. Donc là, je mets ici, je vais utiliser ma fonction produit. Là, je vais sélectionner le coût hebdo. J'arrive pas à sélectionner. Je vais écrire directement en fait l'adresse de la cellule. Point virgule. Là, je vais écrire l'adresse de la cellule. C'est D4. Là, dès que je fais entrée, ça me donne en fait le coût total. Et là, je vais glisser pour avoir en fait les autres informations en fait pour les autres équipes. Il faut savoir que la fonction produit, en fait, c'est pareil. En fait, si on utilise aussi l'étoile, par exemple, là, si je fais égal, je prends ça, je n'ai pas à sélectionner, je vais mettre ça, fois le nombre de semaines qui est égal à D4. On a le même résultat. Du coup, soit on peut utiliser la fonction produit qui nous permet de calculer le produit de plusieurs valeurs, soit on peut utiliser aussi la multiplication, l'étoile, qui va nous permettre en fait de faire exactement le même calcul. C'était tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une cette vidéo aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle fonction.